Coucou tout le monde. Alors voilà une petite vidéo pour vous dire simplement que je me suis remis au crochet. Ça c'était les pelotes des grosses pelotes que j'ai achetées dans le temps de coton. Donc j'en ai de plusieurs coloris, j'en ai pas mal. Hein. Et d'ailleurs je vais vous faire voir. Voilà. Je faisais beaucoup de crochets dans le temps, n'est-ce pas? Donc j'ai tout ça en pelote de toutes les couleurs. Alors, je me suis trouvé une petite astuce pour les crochets. Je les ai mis dans une petite boîte comme ça de je ne sais pas trop quoi. Il y avait des petites cigarettes en chocolat. J'ai mis un petit rond de mousse. Je plante mes crochets dedans, puisque j'en ai pas mal. Hein. Et ben, je tire dessus, je regarde les numéros et je choisis. Voilà. Ça, c'est pour la démonstration du matériel. Alors, je suis en train de faire des petits essais de. Comment ça s'appelle en vintage, et je m'aperçois qu'il me manque une fleur, donc voilà. J'ai dit, je m'y colle, je vais faire une fleur, et puis après, on verra bien le résultat. Voilà. Donc, je mets sur pause, et dès que j'ai fini ma fleur, je vous reprends. Alors, pour l'instant, j'en suis là. Voilà, j'ai fait une petite bande et je fais une petite coquille. Donc, pour l'instant, j'en suis là, donc je continue. Tranquillement, et je vous retrouve après. Bon, donc on arrive à la fin. Je vais donc couper mon fil. Attendez, hop. Je vais un petit peu. Je vais enfiler mon aiguille. Alors, pour la petite histoire, dans le temps, je faisais pas mal de crochets. Et je faisais pas mal de choses, hein. Je faisais des napperons, des chapeaux, des petits signes, des petites bourses à dragées, enfin, toutes des choses comme ça. Et alors, pourquoi j'ai arrêté? En fait, j'avais fait une exposition, on avait fait une exposition avec tout ce que je faisais aussi dans mon coin, là, dans ma commune. Et en fait, tout a brûlé. La salle d'exposition a brûlé et tout ce que j'avais fait, ben voilà, tout est parti en fumée. Ça m'a tellement un peu, comment je vais dire, dégoûtée que j'ai arrêté de faire du crochet. Voilà. Et alors après, je vous montrerai parce que j'ai encore. Alors là, je suis en train de limer mon aiguille pour qu'elle passe mieux. Pour qu'elle accroche pas dans la laine. Ouais, j'ai une petite astuce. Voilà. Donc, j'en étais où? Voilà. Moi, j'ai fait ceci. Hein, ça ressemble à rien. Hein. J'en conviens. Alors, je vais tourner. Alors, soit dessous, soit dessus. Je sais pas encore. Et je vais coudre tout ça pour faire ma petite fleur. Donc voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je mets sur pause, je couds et je vous reprends. Me voici de retour avec 20 petites fleurs terminées. Voilà. Je sais pas si vous allez bien la voir. Je sais pas sur quoi je pourrais vous la mettre. Ça si. Voilà. Je sais pas si vous allez bien la voir. Petite fleur au crochet. Hop. Hein, toute simple, mais voilà. Avec des petits pétales, des petits. Voilà. Ça donne ceci. Donc, oui, je vous disais, je faisais du crochet dans le temps. Je vais vous faire voir parce que j'ai retrouvé dans mes armoires. Voilà. Un exemple. Bon, il faut que je l'aie parce que ça a traîné assez longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir le dessin. Ça représente une geisha. Avec dans l'eau, c'est un peu. Non, je me rapproche un peu peut-être. Voilà, c'est ce que je faisais dans le temps, comme voilà, c'est un rideau. C'est un rideau que j'ai fait tout au crochet. J'en ai un deuxième, comme ça, mais c'est pas tout à fait le même genre, mais je ne peux pas mettre la main dessus. Peut-être que je l'ai donné à quelqu'un. Voilà! Donc, c'est pour vous faire voir. Oups.
Je vais partir avec le fauteuil. C'était pour vous faire voir un petit peu ce que je faisais dans le temps avec le crochet. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de plots. Du coup, je vais me remettre à faire ce crochet et j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Donc, voilà ma petite fleur. Moi, j'en ai reçu de mes petites abonnées et donc c'est à peu près la même chose. Regardez. Voilà. Donc, bah voilà. Moi, sinon, au départ, j'avais fait celle-ci, mais je la trouvais assez banale. Donc, je crois qu'en fait, je vais tout me refaire ces fleurs-là et pour mettre mes petites cartes vintage. Voilà, donc Nathalie, je suis désolée, je ne peux pas te donner le tuto parce que moi je ne sais pas expliquer en vidéo, mais je pense que sur internet tu peux trouver ça. Hein. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.